bonsoir. Bonjour. Salutations à tous et bienvenue dans ce premier épisode d'Urbex Trip. Je regarde la route parce que c'est dangereux de regarder la caméra. Faut pas déconner. Faut pas déconner avec la sécurité routière. Surtout qu'on est sur l'autoroute à 130. Donc là maintenant, si je commence à regarder la caméra, ça fait n'importe quoi. Bienvenue dans l'Urbex Trip, un petit projet un petit peu sympa, un petit peu ambitieux. En somme, pendant un week-end entier, nous trois, les fanfrilons, ça se dit pas ce mot. Les fanfrilons, non. Non, les fanfrelins. Les fanfrelins. Les fanfrelins de l'Urbex. On va partir dans l'Isère, visiter un maximum de bâtiments incroyables. Tous plus à quoi vous inquiétez. Du super lourd. On a au total 4 lieux à visiter pour un total de 5 vidéos normalement. Si jamais ça a changé au moment de montage, il y aura une photo de mangouste en haut à droite. D'accord ? Okay. S'il y a une photo de mangouste, c'est que ce que je dis c'est faux. Alors pour commencer là, on se rend à une piscine. Voilà. J'espère que ça vous plaît. C'est une piscine soleil. En forme de soleil. En forme de soleil. Une piscine soleil abandonnée. Alors si vous avez tout bien compris, on a 2 jours entiers d'urbex, ce qui veut donc dire qu'on a également 2 nuits d'urbex. Et on va dormir dans un deuxième lieu encore plus incroyable que le premier. Le premier est sympa pour les spots photos, mais le deuxième est magnifique. On s'est pas spoil dessus. On n'a rien cherché sur l'histoire du bâtiment. Ça fait longtemps qu'on vous laisse le faire. Ça fait longtemps qu'on l'a sous la main. On voulait s'en faire une vidéo spéciale de ce lieu. Je te vois dans mon rétroviseur et ça m'a déconcentré. J'ai failli me taper à la rambarde. C'est au courant de ça. Tu t'en rends compte? On pourra faire 2 vidéos sur ce bâtiment-là. 1 de jour et 1 de nuit. On vous a prévu quelques surprises, évidemment. Vous nous connaissez, hein, les fanfrelins de l'Urbex, hein, comme on dit. On vous a prévu des surprises aussi exceptionnelles pour faire de belles images. Vous en aurez plein les murettes. Fuck! J'en ai marre! J'en peux plus! Plein les murettes! On pourra même faire une vidéo bloopers là, parce que là, ouais. Sur celle-là, c'est terminé. Donc, bienvenue dans ce premier épisode de l'Urbex Trip! T'as les petites trappes là. Normalement, l'entrée elle est par là, tout le long. Et t'as une entrée en carton que tu peux ouvrir. Ou alors on n'est pas du bon côté. Ah mais de l'autre côté c'est carrément ouvert. Moi ça avait quand même vachement des trucs en haut hein, qui étaient ouverts. Genre ça là. Mais là c'est pas celui-là. Peut-être la porte. Oula. Non ça c'est pas une porte ça. Ouais, c'est peut-être ça qui a été refait. Ah mais là mec, on est tellement spot, c'est un truc de fou. Hein. Tout le monde nous regarde. On n'a jamais fait un urbex aussi spot. Alors ils l'ont refermé depuis. C'est peut-être possible, hein, c'est... Parce que là, de ce côté-là, ça fait quand même vachement facile d'accès. Hein, par rapport à ici. Bon, je vais aller voir, hein. On peut aller jeter un petit coup d'œil. Hein. Alors autrement, faut peut-être grimper. Bah pour moi, faut grimper. Hein. Tout à l'heure. Pour moi, je vais devoir grimper. Hein. Ah, pour moi, il y a rien. Bon, bah, ouais, faut grimper. Hein. Je vais grimper. Je vais y aller. Je vais faire comme d'hab. Je vais y aller en éclaireur et puis on verra bien. Et on voit que, ouais, regarde, on voit qu'ils l'ont protégé l'entrée. Elle est clairement rénovée, hein. C'est plus du tout abandonné. Ah ouais? Ouais, ouais. Il y a du matériel et tout. Hein. Y a un film. Elle est rénovée de fou, ouais. L'eau, elle est claire, elle est pleine, il y a des banderoles. Ouais. Il y a de l'eau, ouais. Il y a des combis. Il y a des tapis, il y a des cônes. Ah ouais, putain, ouais. Oui, mais si, elle est rénovée. Hein. Elle est full neuve, en fait. Elle est rénovée. On est niqué. Ah, donc... Bon bah du coup on est niqué. Ouais, plan de secours. On en a pas tellement. Plan de secours, on a plein de bâtiments donc je peux essayer de voir ce qu'on peut taper. En vrai on peut quand même faire 2-3 photos dehors. Ouais je pense, il y a moyen de faire des trucs sympas. En fait c'est juste ce pôle là qui a été fermé quoi. Les Magnolias. J'espère que c'est solide. Y'a plus qu'à voir.
la centrale nucléaire. On remballe. Bon, vous avez remarqué que bon, le bâtiment a été rénové, donc on ne peut pas vous offrir une vidéo assez normale comme ça. Donc on revient sur ce qu'on a dit, sur le planning. De base, il va y avoir un dernier épisode sur un bâtiment un peu spécial. On va le mettre dans cette vidéo-là. Donc ça raccourcit à 4 épisodes notre Urbex Trip, qui n'en est pas moins exceptionnel. Alors oui, pour l'instant, on a juste visité une piscine. C'est pas extra, c'est pas sans sas. C'est pas formidable. Je sais que pour l'Urbex, une piscine pas abandonnée, c'est moyen. Mais bon, désolé que je vous dise, ça arrive, c'est les aléas. On a quand même réussi à tirer quelques belles images. On en est satisfait quand même. Là maintenant, on se dirige vers notre prochain lieu. Et donc, à tout de suite. Elle est fermée. Je comprends pas le délire. C'est un coffre moule en polystyrène. Là, j'ai un journal qui date du 24 février 1977. Wow. Dauphiné. Dauphiné libéré. Elle est où la date ? Là. Donc ça remonte au moins à 1977. Ouais. Soit 50 ans. Il y a des vieux journaux. Le guide de la brodeuse. Un albanais de la broderie. Ah bah voilà, une belle paire de lunettes. Merde. Tu dois pas très bien voir. Monsieur Louis Sombardier et ses enfants Marguerite, Marie-Louise et Françoise de à Lyon ont l'honneur de vous faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de Madame Henri Sombardier, née pieusement décédée le Pont de Clay le lundi 27 décembre 1937. Dans sa 71e année, la cérémonie religieuse aura lieu à l'église paroissiale, illumination, cimetière de Pontclet le 30 septembre 1937. Priez pour elle. Élixir de santé. À de légers existants est un remède précieux dans les affections nerveuses si variées de l'estomac et des intestins, notamment dans les indigestions difficiles. C'est une cassette. Une cassette audio. Les nus et les morts. Une grammaire de français. Bon allez, maintenant je vais chez moi.
Ouais. Oh, il fait chaud sa mère. Y a pas grand chose, y a pas grand chose. Je veux partir d'ici vite. J'ai beaucoup trop chaud. Je vais décéder. Ah non, mais là le mot chaud n'est même plus d'actualité. Château Mazette 1991. La Côte du Rhône. Par contre, sur elle. Ouais, 1993. Côte du Rhône primeur. Côte du Rhône. Putain, elle devait être bonne. Ça bouge pas. Non, non, elle devait être dégueulasse. C'est classe, hein. Il y a des beaux graphes, hein, quand même. Et Maradona là-bas. Suivi ce premier épisode d'Urbex Trip. Je vous préviens, ce n'est que le début. Effectivement, c'était déjà lourd. Dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir le prochain lieu dans lequel on va dormir. Incroyable, splendide, merveilleux. Soyez patients, le prochain épisode arrive très très vite et les ceux d'après arriveront aussi vite que celui-là. En attendant, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, activez la cloche, laissez un commentaire en mettant le mot Orchidoclast et surtout faites des dons. Enfin, on a un Tipeee. Enfin. En fait, si vous pouvez nous envoyer un compte suisse, ou même offshore, enfin, on n'est pas contre. Non, mais c'est pas qu'on veut défiscaliser à Malte, mais enfin, au bout d'un moment, à un moment donné, on veut un peu d'argent, quoi, pour bien faire vivre la chaîne.